Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire ensemble un calcul curieux. Donc, ce calcul est très simple. On a un premier nombre, donc composé que de 3. Donc, on a 3 qui se répètent n fois. Donc, on dit qu'on a n chiffres. Par exemple, 33, 333, etc. Et ce nombre est élevé au carré. Et à ce nombre, on ajoute ce nombre-là qui est composé que de 2. Et le nombre de 2, il y en a n. Okay? Par exemple, 22, 222, 2222, etc. L'objectif de cette vidéo est de regarder combien vaut ce calcul. On va commencer donc par étudier quelques cas simples. Regardons pour n est égal à 1. Pour n égal à 1, on a 3 au carré plus 2. Donc là, je vois bien que j'ai ici un seul 3 et là, j'ai un seul 2. On va regarder le résultat. Donc 3 au carré, c'est 3 fois 3. 3 fois 3, c'est 9. 9 plus 2, c'est 11. Donc ceci n'est pas bien compliqué. Regardons maintenant pour n est égal à 2. Pour n égal à 2, j'ai deux chiffres. Donc 3, 33 au carré, plus 22. On va regarder ce que cela donne. 33 au carré, bon, j'ai calculé avec la calculatrice et j'ai trouvé 1089. Plus 22, ce qui me fait bien 1111. Très bien. Donc à ce stade, on commence à apercevoir que le résultat ne comporte que de 1. Regardons pour n égale à 3 pour que la conviction soit très élevée. Donc pour n égale à 3, j'ai 3, 3, 3 au carré plus 222. Ceci est égal à 333 au carré, ça nous fait 110 889. Donc j'ai calculé avec la calculatrice, hein. Plus 222, ce qui me donne 111 111. Très bien. Donc à ce stade, on est presque convaincu que le résultat de ce calcul est un nombre composé que de 1. Mais de 1, mais il y en a combien? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore, mais c'est ce qu'on va tenter de démontrer en généralisant ce calcul-là. Avant d'attaquer donc le calcul, j'aurai besoin d'un résultat intermédiaire qui va me servir dans le calcul. Le résultat, le voici. Si je me donne un nombre A qui est composé que de 1, donc là j'ai 1, et là je dis que j'ai n chiffres. J'ai n chiffres. Très bien. C'est-à-dire que le nombre de 1 qui est là, il y en a n fois. Je vais me proposer de calculer 9a plus 1. Donc on va calculer ce nombre-là, on va regarder ce que cela donne. Très bien. Maintenant, a, je vais l'écrire ici. Donc je vais poser l'opération classiquement, donc multiplier par 9. Très bien. Donc ici, ça c'est a que je multiplie par 9. C'est le 9a qui est là. Donc on va calculer ça très simplement. Donc je vais faire 9 fois 1, puis 9 fois 1. Puis 9 fois 1, puis 9 fois 1, jusqu'à la fin. Et ceci me donne 9 fois 1, c'est 9. Après 9 fois 1, 9. Et tac, 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 jusqu'à la fin, ça me fait du 9 et du 9. Très bien. Et les 9, j'en ai combien? J'en ai autant que de 1 ici. Donc là, j'en ai n fois. Donc c'est n chiffres. Très bien. À ces 9, 9, 9 là, je vais ajouter 1. Donc en ajoutant 1 ici, je fais 1 plus. Donc ça me fait 9 plus 1. C'est 10, donc je fais 0 et je retiens 1 ici. Donc 9 plus 1, ça me fait 0. 9 plus 1, ça me fait 0, etc. Jusqu'au dernier 9 qui est égal à 10. Et ici, j'ai un petit changement parce que le nombre de 0 qui est là, c'est n chiffres. Par contre, ici, j'ai un 1 qui s'ajoute. Très bien. Donc là, je dis que le résultat est très simple, c'est 1. 0, 0, etc. 0. Et le nombre de 0 qui est là, c'est n chiffres. Okay? On dit aussi c'est n0. On peut dire que c'est n0. Très bien. Donc j'avais besoin de ce résultat intermédiaire. C'est-à-dire que si j'ai un nombre a qui est composé que de 1, alors 9 fois a plus 1 est un nombre dont le premier chiffre c'est 1, après tout le reste c'est du 0. Très bien. Maintenant, attaquons le gros morceau. On veut calculer 3, 3, etc. jusqu'à 3, le tout au carré, plus 2, 2, etc. 2.
Et le nombre de chiffres dans chaque terme est n. Ici, on a n chiffres et là, on a n2. Très bien. Ce que je vais faire, je vais factoriser par 3 dans la première expression. Donc, ça me fait 3 facteurs de 1, 1, tac, 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 jusqu'à 1. Le tout au carré. Donc là, je ne change rien du tout. 3 multiplié par tout ça, ça nous fait du 3, 3, 3, 3, comme ça. Très bien. Donc, ici aussi, je vais factoriser par 2. Ça nous fait du 2 facteur de 1, 1, tac, 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 jusqu'à 1. N fois. Hein. Et donc, ceci est égal à 9 facteur de 1, 1, tac, 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 1 au carré. Ici, j'ai appliqué A fois B. Le tout au carré est égal à A au carré multiplié par B au carré. Très bien. Donc, ceci me fait 2 fois 1, 1, tac, 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 1. Très bien. On va à nouveau factoriser par 1, 1, 1, 1, comme ça, par ce nombre-là qu'on retrouve ici. Et c'est un nombre qui a n, 1. Donc, n, 1. Là, je dis que c'est 1, 1, tac, 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 1, facteur de 9 fois 1, 1, tac, 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 1, facteur de plus 2. Très bien. Maintenant, ici, vous remarquez que je vais utiliser mon résultat intermédiaire que j'avais ici. Mais là, j'ai 9a plus 1. Donc, j'ai ici un nombre a qui ne s'écrit qu'avec le chiffre 1. Donc, le chiffre 1, on a n fois. Donc, il va me rester le plus 1 que je vais ressortir de l'autre côté. Donc, allons-y. Je vais écrire comme ceci est égal à 1, 1, tac, 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 1, facteur de 9 fois 1, 1, tac, 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 1, plus 1, plus 1. Donc, le 2, je l'ai éclaté en 1 plus 1. Donc, 1 plus 1, c'est bien 2. Maintenant, ce que je vais faire, je vais appliquer mon résultat intermédiaire sur ceci. J'ai bien 9 fois quelque chose qui ne s'écrit qu'avec le chiffre 1 plus 1. Donc, ceci me donne 1 et suivi de n0. Okay? Donc, ceci est égal à 1, 1, tac, 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 1, donc n fois, facteur de 1 suivi de n0, 0, tac, 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 0. Okay? Et là, plus, plus 1. Très bien. Donc, n'oubliez pas que ici le nombre de 0, c'est n. Et ici, j'ai un 1. Donc, je vais faire un développement à ce niveau-là. Tac, OK, fois tac. Donc, ceci nous fait que 1, 1, tac, 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 1, multiplié par 1 suivi de n0, tac, 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 0, OK, plus 1, 1, tac, 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 1. Donc, il y en a n fois. En multipliant ce nombre-là par ce nombre-là, je vais garder tous les 1 et je vais ajouter autant de 0. Donc, cette multiplication est simple. Par exemple, si je multiplie 2 par 100, je garde le 2 et j'ajoute 2 zéros. Okay? Si je multiplie 111 par 100, par 1000, je garde le 11 et j'ajoute 3 zéros. Donc, on va appliquer la même technique ici. Donc, ici, ça nous donnera 1, 1, 1, tac, 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 1, combien de fois? N fois. Et je vais ajouter les n zéros qui viennent d'ici. Donc, 1, 1, 1, tac, 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 1. Donc, les zéros ici, on en a n. Les 1 ici, on en a n. Très bien. Et donc, à cela, je vais ajouter ce qui me reste ici. 1, 1, tac, 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 1. Et là, c'est n fois. Très bien. Maintenant, si je pose l'opération, donc je vais poser l'opération pour vous montrer. 1, 1, donc n fois. 0, 0, n fois. Donc, plus. Maintenant, je vais mettre ce membre-là. Je vais commencer par ici. 1, tac, 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 1, 1. Voilà, très bien. Maintenant, ceci va me donner 1, 1, tac, 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 1, 1. Et là, je vais abaisser de ce côté-là. Je vais mettre en couleur là. 1, 1, tac, 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 1. Donc, voici le résultat final de notre calcul. Donc, ça nous donne un nombre composé que de 1, évidemment, comme on pouvait s'en douter. Mais combien de fois? Là, on en a n, n fois. Et là, j'en ai aussi n fois. Très bien. En faisant donc ce calcul, on trouve un nombre composé que de 1, mais un nombre deux fois égal à chaque nombre de chiffres qu'on peut retrouver dans chaque terme. C'est-à-dire ici, on a n chiffres, donc le résultat sera composé que de 1, mais un nombre égal à deux fois n. Donc ici, je vais conclure mon résultat en disant que 3, 3, tac, 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 3,
au carré plus 2, tac, 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 2 est égal à 1, tac, 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 1, tac, 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 1, comme ça. Donc là, j'en ai 2 fois n chiffres. Très bien. Si là, j'ai n chiffres, et là, n chiffres. N étant un entier naturel, évidemment. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne. Merci. Dans maths, il dit les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez.